Dans le cadre de la coopération bilatérale entre Libreville et Washington, une équipe de la US Navy à bord du navire américain Spirit sont au quai du port d'Ovando depuis quelques jours pour parler de sécurité maritime en Afrique et particulièrement au Gabon. Nous avons eu des bonnes réunions aujourd'hui avec le Premier ministre et aussi le ministre de Défense et son équipe. Et nous avons discuté la sécurité maritime pour le Gabon. Nous sommes en train de préparer un rapport pour le ministre, pour le gouvernement, avec les recommandations. Le rapport de cette première rencontre, attendue pour le mois de juillet ou plus tard, semble long eu égard au danger permanent du trafic illégal sur nos côtes. Le chargé des affaires des USA au Gabon rassure. Le Gabon a certaines, capacités maintenant. Pour aborder les risques, pour aborder les défis dans le domaine maritime. Pour l'amiral, cette mission en terre gabonaise relève simplement d'un partenariat entre l'Afrique et les USA pour éradiquer le trafic maritime illégal. Ils ont donc un long partenariat, non seulement avec le Gabon, mais également avec d'autres pays africains. Donc ils apportent leur assistance à travers des séances de formation pour combattre donc le trafic illégal. À travers l'arrivée du navire américain Spirit à Libreville, cela démontre la volonté de deux États d'inscrire leur action dans une vision commune afin d'améliorer la sécurité maritime dans le golfe de Guinée, un objectif qui sert à la fois le Gabon et la région.